18h35, base aérienne de Port-Boué. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est accueilli à sa descente d'avion par des membres du gouvernement, conduit par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Le chef du gouvernement rentre de Suisse, où il a pris part à une série de rencontres de haut niveau dans le cadre du forum de Davos. Dans sa valise, que de bonnes nouvelles. Le problème de sécurité est un des points importants dans les panels qui ont eu lieu. Il y a aussi le dossier relatif aux problèmes agricoles et la sécurité alimentaire qui ont donc été évoqués, le problème d'énergie. D'ailleurs, M. Yumkela, qui est le secrétaire général adjoint des Nations Unies, en charge du secteur de l'électricité, viendra très bientôt en Côte d'Ivoire parce qu'il veut organiser un sommet. Il y a donc le dossier de l'Ebola qui a donc été évoqué aussi. Voilà, il y a donc des thèmes généraux qui font l'objet de discussions. Mais je crois que l'autre élément qui est important, je voulais souligner, c'est la rencontre bilatérale, notamment en ce qui nous concerne avec le secteur privé. Nous avons rencontré par exemple les gens de Microsoft, qui, vous savez, ont leur siège, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ici, en Côte d'Ivoire. Les gens de General Electric, dans le domaine de l'électricité, qui sont donc ici aussi, et qui veulent tous développer leurs activités en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré le logisticien nigérian Dangote, qui va faire un gros investissement ici. Disons que nous avons rencontré les entreprises indiennes, Indouja, qui veut fournir des bus pour les transports, qui veut intervenir aussi dans le domaine des engrais, etc. Donc vraiment, il y a de bonnes rencontres et de bonnes perspectives. Mission fructueuse donc pour la Côte d'Ivoire et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan de féliciter le président Alassane Ouattara, lui qui en a décidé.